Un dépotoir improvisé commence à se créer dans le parking des véhicules desservant la province de Bubanza, se trouvant derrière le marché de la zone urbaine d'Ongagala. Les usagers de ce parking affirment que ces déchets proviennent de ce marché. Gênés par les odeurs nauséabondes dégagées par ces déchets, les conducteurs ainsi que les passagers ne cachent pas leur inquiétude. Ils demandent une délocalisation urgente du parking des véhicules en partance vers Bubanza. Les bus étaient garés ici. Ils ont dû stationner ailleurs. Travailler dans une odeur pareille et les clients qui ont abandonné ce parking à cause de cette odeur, c'est un calvaire. Nous demandons au gouvernement de nous délocaliser vers notre ancien parking qui était au marché de Kotebo. Car sur plus de 8 agences qui se trouvaient dans ce parking, on n'a délocalisé que les véhicules desservant Bubanza. Nous avons tellement peur, on ne sait plus à quel sens se vouer. Vous-même, vous le sentez, les risques d'attraper des maladies sont énormes. Nous avons une grande peur, mais nous n'avons pas d'autre choix, car ce n'est pas à nous de changer de parking. Notre demande reste toujours la même, qu'on nous délocalise, et ça avantagerait aussi les clients, parce qu'il n'y a ni parking des bus, ni celui des motos. La meilleure option, c'est qu'on soit placé dans le parking se trouvant au marché de Kotebo. Le commissaire du marché d'Ongagala confie que cette situation est liée au manque de carburant. Une situation qui va être réglée sous peu, tranquillise-t-il. Le grand problème que nous avons, c'est le manque de carburant. Une fois le carburant disponible, nous avons des véhicules suffisants pour amener ces déchets dans le dépotoir de Buterere. Nous vous rassurons que d'ici janvier ou février, il n'y aura plus de déchets si nous avons du carburant. Signalant que ce dépotoir s'improvise au moment où la poubelle du marché d'Ongagala est non fonctionnelle. Comme l'indique le commissaire de ce marché, cette dernière est provisoirement fermée car elle est débordée de déchets.